Mais je voulais surtout remercier Christian pour ce formidable exercice de démocratie participative, délocalisé, vraiment délocalisé ici en Provence. Et très sincèrement, avant de poser ma question, je voulais te dire, et nous sommes de nombreux militaires à le penser, que ce soir, on a un peu la sensation que le P de notre très cher UMP, ça ne veut pas dire parisien, mais ça veut dire populaire. Voilà, on en avait besoin de ça. Alors, messieurs les candidats, ce n'est pas une question, c'est juste un petit message codé que je suis certain que vous prendrez. Ma question s'adresse aux deux candidats. Et ma question est la question des valeurs. La question des valeurs de notre UMP. C'est important, les valeurs. Et lorsque je regarde sur le site internet de l'UMP, je vois quelques valeurs, il en manque pas mal. Voilà. Je veux juste vous dire ce qui est écrit concernant les valeurs. C'est combien important. Nos valeurs. Notre projet politique repose sur des valeurs fondatrices qui inspirent et guident notre engagement. Liberté, responsabilité, générosité et solidarité. Puis après, on parle de notre Europe, notre pays. Franchement, moi, je pense que ça fait un peu léger pour des valeurs. Et j'aimerais vous entendre sur les valeurs que vous allez proposer lorsque l'un d'entre vous ou le troisième sera à la tête de l'UMP. Il me semble que dans les valeurs, je ne veux pas vous influencer, comment le pourrais-je, il manque un peu des notions de courage. Le courage de réformer. Le courage peut-être de dire des choses qui sont sensibles. La CMU, l'AME, on ne peut plus, peut-être, pour analyser tout ça. Et puis il me semble aussi qu'avec la débâcle que nous avons eue, il serait nécessaire d'inscrire des valeurs d'honnêteté. Je préfère honnêteté qu'intégrité. On ne sait plus où sont passés les millions. Tous les jours, cela. Tous les jours, on entend des millions qui partent de ci, de là. C'est plus Big Million, c'est plus Big Million, c'est Big Million. Voilà, j'aimerais vous entendre sur la notion des valeurs, parce que ça me paraît essentiel pour notre institution. Merci. Merci Jean-Marc Perrin, qui sera candidat pour l'UMP aux élections cantonales.